Tu y crois à ça? L'anarchiste a mis son dégoût des institutions militaires de côté assez longtemps pour nous aider. Oh non, j'ai gardé plein de dégoût. Vous allez arrêter, vous deux? Ils nous attendent. Bon, Kenzie, j'apprécie nos joutes verbales sur l'indignation inefficace de la populace contre l'aristocratie, mais la super grande, là, elle fait partie de la royauté, donc lève peut-être le pied. Carrément, même. Écoute, je suis ici pour chasser les rats charniens de chez moi, pas pour être copine avec une princesse qui... Oh, waouh. Je vois. Donc, c'est mort aux riches, sauf quand on les trouve sexy. Bienvenue au Palaton, Kenzie des tribus célestes d'Oremen. Le royaume de Lucium est reconnaissant de l'aide que vous nous offrez. Vous pouvez. Est-ce que vous scrutez tout l'Oremen en même temps? Vous avez... quoi, des centaines d'automates scrutateurs pour ça? Bien plus. Pas étonnant que les autres royaumes croient que les Lucéens les espionnent. Le nombre d'infractions frontalières est... Pouf, même en temps de guerre. Ouais, c'est un exploit impressionnant d'ingénierie arcanique moderne. Mais il faudrait passer à la suite. T'as mal prononcé envahissant. Quand est-ce qu'Oremen a ne serait-ce que prétendu être en guerre? On y est là. C'est bon, Zendara. Kenzie a raison. Je m'excuserai formellement au Haut Conseil d'Oremen à sa prochaine réunion. À Nocea. Au cas où tu saurais pas, Sandrak a détruit Nocea, donc elle... Je suis au courant. Oh, donc t'as compris où elle veut en venir. Très bien. Vous cherchez dans la couche de tempête? C'est pas le bon endroit. Ces îles sont toutes nouvelles. Vous devez chercher en dessous, où les premières ont été délogées. On l'a déjà fait. Il n'y a pas de ruines aristéennes à la surface de celle-ci. Vous croyez que je parlais de la surface? Ce que les aristéens adorent, c'est les temples souterrains. Retournez là. Dites-moi que je rêve. Alors, j'ai eu une bonne idée. D'amener la fille, je veux dire. Les manalignes sont trop instables dans cette tempête. Et ils ont dû désactiver leur portail. Et il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir. Préparez-vous au déploiement. Ordre de la Grande Magnus. Équipez-vous et allez vers les quais. Je vais prévenir le capitaine Selko que nous partons et qu'il doit préparer ses attaquants. Et je fais quoi, moi? Est-ce qu'on garde une place dans le vaisseau? Non, je suis toujours pas intéressée. Ah, alors, on a une boutique de souvenirs au 10e. Non, le 10e a encore disparu. Il arrête pas de se superposer avec les vents nord-est d'Iopalais. Du coup, il fout le camp à chaque fois. Quel dommage. Tu aurais pu avoir ta propre réplique du badge des immortels, Kenzie. Oh, attendez, on parle bien de la lune Iopalais? Nos équipes sont sur le coup. Bien, changement de chapitre, la marque de liaison. Alors c'est l'heure, hein? Tout à fait. J'écris seulement une lettre à mon frère avant de partir. Une qui suppose qu'on est super confiant à l'idée de mettre un terme au règne de terreur de Racharn à tout moment. Je sais pas si j'arriverai à dire ça sans broncher pendant un appel. Tu devrais être confiant. Forge Temple, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir combler notre écart avec Sandrak. Tu as raison, bien sûr. Et j'avais oublié que je mettais autant de temps à écrire, de toute façon. Je dois me relire et rayer tous les adverbes et la ponctuation excessive. Feu mon père pensait que trop s'appuyer sur les adverbes finirait par tuer la langue. Et ce qu'il détestait par-dessus tout, c'était vraiment les points-virgules. Je le sens encore me fixer maintenant. À juger mes tournures de phrases et mes points de suspension. Je devrais peut-être me contenter d'appeler mon frère dans le vaisseau et éviter tout ça. C'est rien, t'es juste nerveux à cause du déploiement. Très observateur, mon ami. Hé, hey, tu viens? Ce sera sans moi, les Hurrah, c'est votre délire, pas le mien. Non, dis jamais ça. D'ailleurs, quand j'y pense, on n'a pas de cri de guerre officiel. Ça te démange, n'est-ce pas? Pour tout te dire, j'ai vraiment envie de hurler des trucs, des fois. Tu vas faire quoi, du coup? Je sais pas trop, je vais rester dans le coin et sillonner les lieux. Pour trouver d'autres preuves que les Lucéens viennent fouiner dans les secrets d'État des autres royaumes, etc. Peut-être que votre chef voudra bien me montrer ce que vous utilisez officieusement comme gadget de surveillance magique pour nous protéger sans notre consentement. Oh non. Ok les gars, va pour l'assaut du Forge Temple. J'aime beaucoup, ouais. Des directives sur le déploiement, madame? T'as pas fait de simulation à l'école militaire?
Je suis pas... Allez, enfin... Je suis plutôt du genre à intégrer la guerre par chance, moi. Espérons que ta chance dure. La chute va être longue. Madame, si vous voulez parler de Thaddeus, vous savez où me trouver. Très bien. Je dis ça comme ça, mais perdre quelqu'un... Les morts attendront. Rejoignez le capitaine Selko. Vous atteindrez le Forge Temple en moins d'une heure. Trouvez un moyen de détruire cette pierre de liaison, soldat. Il est temps de prendre l'avantage. Très bien. Alors, trouver Selko. Selko. Mon ami. Tiens. Ouais, non, juste qu'il faut. Capitaine, notre vaisseau est-il prêt à décoller pour Oremen ? Il attend vos ordres, monsieur. La coque est protégée contre tout ce que la zone de tempête peut nous faire subir. On va faire en sorte de vous larguer proprement sur le Forge Temple. Pas de temps à perdre. C'est parti. Pas de se battre avec
bizarre tes personnes ici, je vois bien une belle bataille. Ah, c'est celui qui a personne, est-ce qu'ils sont... Il y a un combat de l'autre côté. Ouais, nettoyer la zone, à mon avis, il y en a... Ah non. C'est comme si j'avais fui le combat, j'ai l'impression qu'il ira pas. Fallait aller par là. J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs en fait. Ils sont plusieurs. Il a l'air quand même d'être spécial, non, par rapport à ses collègues. Simple à éliminer hein, avec tous ces sbires contre les cons au début hein. Pas terminé ou pas avec il en reste 5-2. Ça c'est fait. Je reconnais cet endroit. Thaddeus me l'a montré. Il doit bien y avoir une machine à fabriquer un Tradacool dans le coin. Peut-être dedans. Et cette machine va nous montrer un point faible de la pierre de liaison. En théorie. Donc on ne saura pas quoi faire une fois dedans. Je me suis dit qu'on improviserait. Que tu improviserais. L'entrée est bloquée par une protection triarque. Tu es le seul à entrer. Heureusement que je suis là, madame. Je vais activer les portails pour qu'on puisse rentrer. Bonne idée.
Il y a qu'un chemin là-haut, mais pour y aller... Ça me semble plus un truc secret qu'autre chose. On dirait qu'elle se déplace que quand on... D'accord, fallait qu'elle soit à côté. Alors là, là par contre, il y a eu un sacré merdouillage de codage. Hein. C'est ouvert. Trouve un moyen de détruire la pierre de liaison et sors de là. Quand ils sont 5 ou 6. Dernier, de quelle couleur il est bleu. Ah ah, le pouvoir. Réfraction. Ah, il y a certaines lignes, je pense que ça pourra m'aider. Est-ce que j'avais vu des trucs où ça semblait avoir besoin de doubler, utiliser la lentille? Faut vraiment pas se prendre la tête sur tous les collectibles au début, la plupart on n'a pas ce qu'il faut pouvoir. D'ailleurs c'est un peu dommage parce que à certains moments donné il le dit, t'embête pas, j'ai pas ce qu'il faut pour faire ça. Et ils auraient pu l'automatiser un peu plus, parce qu'il y a des fois on commence une énigme, puis ah là vraiment là je sèche. Thank you.
Ah, il a une manière un peu bizarre de se... Ah, il veut vraiment taper... Non. C'est évident, c'était doré le sol. Ah forcément, on a trouvé la solution, ça paraît évident, mais ça fait quoi quand on cherche. Putain, il y en a deux. Ah, lui, il aime bleu. Aïe, aïe, aïe. J'ai grand espoir de lui faire plus de dégâts. Hein. Son pote il veut participer à la fête hein. Elle pilier a l'air de les gêner hein. J'ai dit un peu hein, j'ai pas dit complètement. Alors je comprends mieux pourquoi il y a les trucs pour faire de l'escalade en... Merde, je suis gouré, j'appuie sur X. Bon, on va reprendre où on en était. Ouais, le ou des touches, c'est pas la première fois hein. Donc c'est, je crois, la première fois que ça me mène à la mort, mais c'est déjà arrivé de croire que je me suis soigné et mon doigt est légèrement à côté. Ouais, le premier objectif c'est d'en buter un, histoire d'être tranquille, enfin plus tranquille. Regardez ma touche avant d'appuyer là. Ouais, il va être mort. Il va savoir son cristal et qu'il a plus beaucoup de vie. Là. Sérieux? Passage par là.
salut. Cette pièce a l'air importante. Vous êtes Aristéen ? Je suis jamais venu ici. Ouais. Vous parlez de quelqu'un d'autre. Vous me confondez avec un type nommé Sandrak et franchement, je trouve ça un peu flippant. Mais, enfin bref. Je veux détruire la pierre de liaison. Vous n'écoutez pas. Je n'ai pas de pierre de liaison, ni de marque. Je ne peux pas me détacher de ce que je ne possède pas. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas... Attendez. Vous pouvez me donner la même marque qu'à Sandrak ? La contrôler ou la détruire. Vous avez déjà trouvé la solution, Jack. On gagne. On ne gagne pas. Une guerre éternelle. S'il a trouvé un moyen d'utiliser la pierre de liaison, alors on peut aussi. Sa maîtrise sur les angres signifie que je peux mettre fin à la guerre. Je choisis d'arrêter la guerre. Donnez-moi la marque pour contrôler la pierre de liaison. Merde, je crois que je l'ai cassé. Bon, pas de marche arrière. Un coffre. Alors, c'est ça que ça fait de désobéir aux ordres. C'est pas terrible. Alors ça sera certainement... Là, je vais retourner là où on était au début. Là, y a... T'as trouvé comment faire ? Dis oui, s'il te plaît. Ouais, on est prêt. Avec ça, je dois pouvoir détruire la pierre de liaison. Il faut juste qu'on se rapproche assez de Sandrak. Comment tu proposes qu'on fasse ça quand on ne sait même pas où il est ? Cette marque me connecte à la pierre de liaison. Je peux sentir où elle est. Je peux sentir où est Sandrak. Il se dirige vers l'est, vers le Maelstrom. Il y a une ancre dans l'océan. On dirait bien. Préparez-vous, on part bientôt. C'est quoi le plan, madame ? Devinez-moi, allons rester au Forge Temple.
voir si on trouve autre chose d'intéressant. Et préparer les mines pour le retour des Racharniens. Tu dois retourner au Palaton et briefer Kirkan. Elle décidera de la marche à suivre. Mais quand tu l'utiliseras pour détruire la pierre de liaison, je veux être là. Je veux voir la tête de Sandrak quand elle se brisera dans ses mains. Pas besoin de me le dire deux fois, madame. Ok. Ce sera tout, initié. Retourne au Palaton maintenant. De l'autre côté. Alors on dirait un truc qui fait reflet, mais reflet de quoi? Ça tape là, ça tape dans la boule, et que ça aille taper ici. Un passage éthéré juste en dessous, impeccable. Le seul d'ailleurs. Même pas le s'il me colle comme ça de près. Thank you.
moi qui meurs. Hein. C'était l'unique passage éthéré, mais il était sympa. Hein. Sortons de là, je crois qu'il y avait un. Pour le lasso. Ouais, il a réparé le portail, l'autre. Bien joué, soldat. On se retrouve au coffre. On va enfin avoir cette conversation que j'essayais d'éviter. Ce dossier est pour vous. Mon rapport sur Sandrak en tant qu'immortel. Certains détails restent confidentiels. Je suis sûr que vous comprenez. J'espérais plus qu'un résumé. Vous savez, pour qu'on puisse en parler. Cela sera suffisant. Je n'aime pas parler de Sandrak. Parce que je n'aime pas me souvenir de lui en tant qu'ami. Nous avons combattu ensemble pendant 30 ans, Jack. Je dépendais de lui. Je lui aurais donné ma vie. Mais tout cela est maintenant terminé. Revivre cela n'est pas utile. Pour la retrouver, je pourrais aussi avoir de la pitié, là où je ne dois pas en avoir. Venez. Montrez-moi la marque que vous avez eue au Forge Temple. D'accord. Il vous permet de suivre les mouvements de la pierre de liaison ? Ouais. Sandrak navigue sans aucun doute dans le Maelstrom, mais ses mouvements sont bizarres, erratiques. Malheureusement, on ne peut pas se permettre d'envoyer des troupes en mer. La majeure partie de l'armée des Lumières est sur le front et nous avons besoin d'elle là-bas. Vous, Zendara et Devin, devrez affronter Sandrak seul. Enfin, pas vraiment seul. Mes contacts à la guilde des marchands Kalai nous ont prêté un colosse durant la révolte des tranchées. Et je ne l'ai jamais rendu. Il est temps de le remettre en service. Il n'a pas fonctionné depuis bien longtemps. Le capitaine Selko est un bon timonier, si je me souviens bien. Et je peux le guider là où est Sandrak avec ma marque. C'est le plan. Bon, à moins que vous n'ayez d'autres questions, rompez. Vous ne m'avez rien dit sur le fait que Sandrak ait été un immortel depuis que je suis arrivé. Je mérite mieux que ce vieux rapport. Dites-moi, Jack, si vous aviez une personne très proche avec qui vous partagiez une cause commune depuis très longtemps, une vision claire et précise du bien et de la justice, et qu'elle la trahissait,
vous trahissait, que sentiriez-vous? Voudriez-vous en parler? Pourriez-vous en parler? Ouais, carrément. Je voudrais savoir pourquoi on en est arrivé là. Sandrak et moi étions déjà compagnons d'armes quand vous n'étiez pas nés. Nous avons combattu les domaines de Kaltus, l'usurpateur roi des mers et les colosses des prétendants Ardjiman. Et même Rasharn, sa terre natale. Et puis un jour, il a refusé de participer à une mission qui aurait pu très bien mettre un terme à la guerre. Quelle mission? Lisez le rapport. Et c'est reparti. Écoutez, ce qui compte, c'est que Sandrak avait des ordres et qu'il a laissé son orgueil prendre le pas sur eux. Il a pris une décision qui a mis tout le monde en danger parce qu'il pensait savoir mieux que nous. Ouais. L'orgueil n'est clairement pas le meilleur allié. Pire encore. Pour avoir rompu ses serments envers l'ordre, je l'ai exilé à Rasharn en guise de sanction, pensant que ses anciens ennemis signeraient son arrêt de mort. Ce dernier détail ne s'est pas produit. Je crains que non. Très bien. Je n'ai besoin de rien d'autre, madame. Zendara et Devine devraient déjà être de retour. Vous partirez pour le Maelstrom demain matin. Oh, encore une chose. La fille Oremic, Kenzie, elle voulait vous parler à votre retour du Forge-Temple. Je pense qu'elle a le béguin pour vous. Madame, je ne sais pas si ça ne concerne que moi. La fin de notre chapitre, on commence le chapitre 12, le Colosse.